Ben Justel, nous connaissons, on fait tout ce qu'on est capable, mais son dossier est daté de plusieurs années, presque 10 ans. Finalement, la justice triomphe dans le dossier Chasson Sanon. La justice gagne de cause. Expliquez pays à M. Justel comment le dossier a été. Tout bagaille, prends ça, prends le temps, le monde attendait. Ou sur Radio Regard, parlez-nous de dossier Chasson Sanon, qui jeune libération jeudi, ou tu fais partie box avocat qui t'a défendu Chasson Sanon. Merci, M. Morin. Regard FM, Chasson Sanon, son jeune haïtien, que vous arrêté en 2013. Chasson Sanon, pour t'as expliqué pour doit être criminel, jeudi, parce que vous devez le juger jeudi. Et accusation, association malfaiteur, dénonciation calomnieuse. Maintenant, infraction, ça a repris les droits articles 224 et suivant code pénal et 318 code pénal là-dedans. Maintenant, il y a été arrêté, après information qui va être dans le tribunal là, c'est il y a un coup de fil qui était recevoir de M. Pierre Espérance. Pour te dire lui, et est-ce qu'il va parler avec lui? Elle dit pour rendez-vous avec lui. Lui te dit que bon plein assassinat fait sur la ville, plein ça, lui concocté par sénateur Lambert, sénateur Edouzeli, avec M. Jacques Caroli. Donc lui dit trois personnalités ça au fond plein pour l'assassiner. Maintenant, c'est le recours, lui, c'est venu joindre lui. D'accord, mais M. Ajaba, pour qu'il soit dans l'opinion de l'expérience, pour être capable de sauver Vili. Maintenant, cher Sonsano, qui connaît, si on a qui sont défenseurs de l'homme, donc les libres ont été l'information, donc c'est des bails qui ont vérifié. Et puis, effectivement, le Vignon. Maintenant, le Vignon, il dit il ne faut pas prendre contact à aucune personnalité de l'extérieur, y compris Mme Ni. Alors qu'elle soit bien, au point qu'elle prend le téléphone de gain, et bien confier le téléphone à Com, d'après la déclaration de Chasson Sanon. Maintenant, elle mettait dans l'hôtel La Belle Lune, à Pétionville, d'après la déclaration de bail. Maintenant, dans l'hôtel, ça va faire 10 jours. Et dans l'intervalle, Libral dit, seul issue, ça veut dire pour le cas sauvegarde de Vili, c'est aller dans. Aller et dans le pays étranger, et puis la fait des marches pour faire des asile politique. Maintenant, pour le cas, il était à l'étranger. Maintenant, Chasson Sanon dit Libral rentre dans l'intervalle 10 jours. Libral rentre dans Ouyel Rivière, dans le local RNDDH. Côté que Libral fait signer un document que le par contre contenu, elle va tenir du tout. Et vous pouvez faire l'aller devant notaire, ça ne peut pas connaître devant notaire l'Italie. Maintenant, pour le signer, après le signature en bas document, et le bras, c'est le premier document dans la rue là, il dit qu'il y a 10 à 12 mounes de couleur blanche, blanc quand même, qui étaient là. Il y a des mounes, c'est lui qui a besoin de finaliser le dossier asile là. Maintenant, de ce fait, c'est comme ça. Maintenant, il va le tourner dans l'hôtel là. De l'hôtel là étant, il dit, dans le début mois juillet, soit 1er juillet, si je ne me pas trompé, il va prendre nos machines pour descendre dans le tribunal avec lui. Il va mener un bon moment pour finaliser le dossier. C'est comme ça. Okay. Lorsque il arrive dans le tribunal là, il va paraître devant le juge Maximin, Pierre, et il va tout trouver à l'arrestation. Et juge là, alors, l'homme dit qu'il va trouver l'arrestation, ça veut dire que Chasson était arrêté depuis avant. Mais elle n'a pas connu s'il est arrêté, d'après l'information du juge, je veux dire. Depuis qu'elle était dans l'hôtel là, elle t'a arrêté lui-même. Effectivement. Maintenant, il y a juste maintenant les devant juge Maxime, c'est comme si pour sacraliser ou bien consacrer l'arrestation que je l'ai, il avait une arrivée devant juge là. Il va qu'on a qui ça le prend lui-même. C'est là, j'ai la bras dit, oh, bon, si, bagarre là, on va connaître. Et puis, bon, le juge là, il prend le baron à la dépôt, et puis, bah, à pénal, mais depuis, je suis en prison. Et donc, mandat, j'ai Maxime, pour le finir, pour le voir, bah, doit être Bernard Saint-Ville qui était juge d'instruction. Alors, mandat, doit être fini. Maintenant, c'est juge la mobilisé, il prend une ordonnance
de clôture dans quatre dossiers ça. Maintenant, pour le dire. Maintenant, l'idée pour doyen, et moi, c'est lui-même là qui est pour intervenu là-bas, plus de détails dans Kassayo, son véritable complot qui est dit par Mme Marie-Hélène Gilles avec Pierre Espérance. Donc, qui fait le coup, il y aura le balancier politique que ville en danger. Maintenant, pour faire des déclarations, alors pour si un document sans par contre contenu, il n'y a pas de ça, d'accord? Il n'y a pas de l'île parce que lui dit, moun qui bat le document pour le signer, hein, c'est des moun au moins qui inspire confiance en la société. Hein? Donc, il n'y a pas quoi que moun ça a eu, t'as injuré en erreur. D'autant plus, ce n'est pas des moun qui déjà moins contre en face. C'est des gens qui ont entendu parler dans la radio et entendu parler dans la radio et dans la télévision. Maintenant, c'est des gens qui ont défendu les droits. Donc, à quoi bon pour ne pas t'accrouer en quelque sorte dans des bagages qui ont été dit. Donc, voilà, Lydie, bon, mon zayo, on va profiter de faiblesse li, et pour faire signer des papiers qui dit alors, papier, ça a été là. Maintenant, c'est des documents qui disent que les déconnes pour tes âmes. Alors, ils ont exécuté mon pour le sénateur Lambert, alors que les ça a été 11 ans, c'est mon nom, le vide de Simon. Les déconnes pour tes drogues pour le sénateur Edouard avec Caroli. Les déconnes fait un bon bagage sale pour mon Zayo. Donc, de ce fait, alors que. Et à aucun moment de la durée, il n'y a jamais compté le sénateur Lambert, il n'y a jamais compté le sénateur Dozeni, il n'y a jamais compté Jacques Kaoli. Donc, c'est, ce n'est qu'un document, c'est là où il a arrêté. Il y a mené le pénitencier, mais dans le pénitencier étant, il dit, mais je peux espérer une journée en prison, il va remettre les documents, c'est les salles pour garder les documents pour garder ça là-dedans. Maintenant, M. Pespérance va le dire, s'il veut se sortir de la prison, il faut lui confirmer que l'information dans le document c'est vérité. Oui. Sinon, il ne va pas sortir de la prison. Et M. Samson Dano lui dit que tout pendant la prison, il est en communication constante avec M. Pespérance, au point que, alors il y a un message qui est changé en Thurio, au point que, l'été et maintenant j'ai de paix pour verbaliser et message que l'été échangé avec M. Pierre Espérance au téléphone. D'accord? Maintenant, pour ce verbal ça là, au moment opportun, je pense que lui-même l'a bien pour le produire, soit devant la presse, et ou bien de façon que je l'ai. D'accord? Mais cependant, moi je pense, et je dis à tribunal criminel qui a signé sa assistance jury, qui est présidé par l'honorable magistrat Gavard Antoine, l'été dans des dossiers. Hein? Donc ça fait deuxième audience. L'été commence vendredi dernier. Donc l'été finit aujourd'hui. Hein? Maintenant, côté que je l'ai statué, l'été écarté et question association malfaiteur là, parce que juge là, l'été dit par un seul monde sur la seule de l'accusation. Sous et accusation et association de malfaiteurs. D'accord? Maintenant, lui dit que, bon, que dénonciation calomnieuse là, c'est vrai, chers on dit, lui pas consciemment à poser signature li en bas document, mais je lui ai dit, par contre, il va raconter la vérité. Si c'est menti, maintenant, il décide de dire bon, il est condamné chez son arrêt, parce que peine qui prévoit dans la matière, ça, c'est 3 mois à 1 année, malgré nous-mêmes, nous avons dit, nous juges là. En tout cas, ensuite, code pénal là, il dit lorsqu'on moune, il était sous pression, il était sous égide ou force. À laquelle il n'est pas capable de résister dans le moment où il a commis l'action. Hein? Maintenant, de ce fait, la loi dit pas qu'il n'y a ni crime ni délit dans le Kassayo. D'autant plus, bon, notre en bas, article 318 là, maintenant qui dit que faut qu'on fait des déclarations comme ça avec l'intention de nuire. Or, si pas qu'il y a des témoins, si à la base, pas de gens qui ont été plaintes aux victimes de déclarations calomnieuses de la part de Chef Sanzano. Si pas de gens, tout, en quelque sorte, des gens qui deviennent porter aux parties civiles dans quatre dossiers, moi je pense que le juge, là,
qui était supposé déclarer non coupable et chanson de Zano. Bon, Gilal, c'est les mêmes qui s'ouvrent les appréciateurs FEO. Maintenant, il a décidé lui-même. Donc, bon, alors l'essentiel, c'est que chanson de Zano, je dis, elle va en prison. Donc, il est libéré. Et c'est la première famille, je dis, et il est passé, je vais en dire dans le maintenant, 10 ans dans la ville pour des bagailles. Que peut-être dépenser le tabac, je ne mieux être là-dedans, et même pour un véritable complot qui fait passer 10 ans dans la ville en la pénitentiaire nationale sans le battre contre rien du tout. Et c'est malheureux. Salut. Oui, allô, maître. Allô? Mm-hmm. Oui, maître Morin. Donc c'est malheureux. Oui, il est rentré à la caille, je dis. Et maintenant, il faut me dire que tu as un peu de médias, que ces médias sont traditionnels, tu as une télévision, tu as des médias en ligne, tu es là. Tu as pris une déclaration chez le Sonsano du début à la fin. Et il faut me dire quand même son bar qui est très frustrant. Pour être des mouns qui. 92.7. Ta, pour éviter une société à non sens, c'est au même qu'à chercher pour les avantages, peut-être maconnés, au même des intérêts mesquins, induit de paisible citoyen en erreur, sale image pour la suite, et pour le faire finir en nos cellules, et pendant nos cellules-là, a fait pression sur eux, et chanson ça nous dit, ils offrent gros l'argent. Bon, m'a dit yo quand même, parce que c'est le deal devant le tribunal. Les deux messieurs Pierre Spirès ont fait le gros l'argent pour lui te cacher l'information. Ça veut dire Pierre Spirès ont fait l'argent pour le cacher l'information. Oui. Les dit les villes verbalisées, les verbalisées par les AO, les dit ça. Donc, moi, je pense quand même, et ça ou pas bon du tout. Parce que, chers Sanga nous dit, pendant la prison, papa le concourbé, il ne peut pas aller du tout. Et tout ça, c'est à cause de lui. Il y a deux petites. Donc, petite, ça va comprendre en Haïti, maintenant, hein, on même c'est papa. Donc, on va comprendre lorsqu'on papa. Et qui est deux petites, des petits mondes dans le même moment. Yo. Donc, pendant 10 ans, on a douleur, si mon saïo a aventuré, qui souffre, il y a besoin. Maintenant, de ce fait, moi, je pense. Et c'est méchant de la part de certaines personnalités qui prennent d'autres couvertures pour régler des barrières personnelles. Justel a dit PIAS, et par rapport à ça, je dis c'est à PSPS qui fait le fait tout le temps dans la prison. Oui, il dit. Je vais récapituler pour vous mettre bon. Hein. C'est sécurité rapprochée, Moïse Jean-Charles. Ça veut dire, monsieur, t'as Moïse Jean-Charles avant. Oui, sécurité rapprochée, Moïse Jean-Charles. Maintenant, l'idée de formation comme sécurité rapprochée République dominicaine. Maintenant, il vient déposer pour le dossier dans le Sénat Patrelel. Il y a le sénateur qui a pris connaissance du dossier et il a choisi Chelson Sano pour sécurité rapprochée. Maintenant, il était dans le Nord avec le sénateur Moïse Jean-Charles lorsque nous recevons un coup de fil de la part de M. Pierre Espérance qui dit que l'État a besoin de parler en cause avec elle. Maintenant, il prend le deal, les salles pour le prendre et rendez-vous avec elle. Elle prend le deal. Est-ce que ça s'en expliquait, mais Justel, il te mettait Moïse Jean-Charles au courant, les jeunes groupes de Philippe Espérance? Non. Mais ça, alors lui, il te mettait ça à toi, Moïse Jean-Charles. Et c'est là que Moïse Jean-Charles dit, si c'est Pierre Espérance qui est là, pas de problème, parce que Pierre Espérance, c'est un monde qui est très connu, qui n'a pas de nom. Maintenant, il dit que là, les jeunes sénateurs là, alors là, les jeunes monsieur Pierre Espérance, monsieur Pierre Espérance, c'est le deal. Un plan qui fait pour assassiner, un plan ça, c'est Lambert, c'est Enozemi, c'est Jacques Kaoli, qui c'est trois personnalités dans Jacques Mel, qui fait le pour assassiner. Maintenant, de ce fait, Charles Fonsano, qui c'est petite Maléa Malérez, qui connaît effectivement trois mondes dans la région de Bagan et Coussouville,
Maintenant, si mon défenseur doit me dire ça, donc lui pense son occasion au moins pour rester en vie. D'après ça, elle dit. Maintenant, de ce fait, ça le fait. Lui pour faire confiance, d'autant plus, il y a des indices qui vont raconter que BGPS va aller, dit, est-ce que tel le tel juge ne peut pas venir à retour? Et il dit effectivement c'est le débat qui est passé. Maintenant, par rapport à l'information, il fait foi à déclaration de M. Pierre Espérance. Et puis, libéral est d'accord avec condition que M. Pierre Espérance soit posé. Donc, dans ce moment, Mme libéral fait passer 10 jours dans l'hôtel Belle Lune. Maintenant, il dit, l'arrivée dans l'hôtel Belle Lune pour le payer, il était 1000 gouttes avec 25 dollars américains dans la poche. C'est M. Pierre Espérance qui va 400 dollars. Maintenant, pour le payer l'hôtel là pendant 10 jours. D'accord? Maintenant, il dit, dans l'intervalle 10 jours là, il vient prendre, il mène le local dans la rivière, côté que le bras le joint, 10 à 12 moun blancs, alors 10 à 12 blancs qui chita. Maintenant, bien sûr, le ballon document, il dit, si un document ça a vie, parce que blanc ça a aussi. Ou même il y a temps pour finaliser le dossier asile politique. Ouais. Maintenant, de côté ça, les prend l'idée de plus à la carrière d'après l'information. Maintenant, par contre, il parle les documents, pour se dire c'est assassiné, il a fait complot pour assassiner. Maintenant, lui-même pour le sauver ville, il a cherché un gens pour le faire quitter pays pour le l'asile politique. Maintenant, il met dans le côté aussi le document, il va lire encore, parce qu'il fait confiance et sur l'information des balles. Maintenant, sur ce, et c'est dans l'intervalle, dans un 1er juillet, alors pendant l'embarque, M. Pierre Espérance, un commissaire, un ancien commissaire Luc Mandelil, qui est venu dans le local là, et puis le Wachel Sondano, le législateur Sondano. Et il parle avec elle, il dit, oh, ah, ma papa là, on va là, nous, et il doit venir dans le paquet. Et puis il mène l'hôtel là, ces deux hôtels là étant, bon, machine, RNDDH, alors machine, M. Pierre Espérance qui prend, qui mène le tribunal là, lui, pendant la cour de tribunal là, il y a monde qui a parlé dans la radio, communication qui a dit, il a arrêté le chef Sondano, alors que lui, c'est nos hôtels qui sorti, il a mené pour ton dernier mot pour finaliser le dossier là pour lui. Maintenant, et la finalisation de ce sens, c'est dans le cabinet Maître Pierre Maxime et André. Et le cabinet Maître Pierre Maxime, libre à Philippe Pénitentiaire National, et pendant la Pénitentiaire National, c'est l'ESA, M. Pessure, qui a le ballon document, et il prend le soin pour les documents, ça, ça le dessine, bien sûr, c'est l'ESA qui a le connaît. En un document, ça, ça a été là-dedans, c'est dit, on dit que, et c'est lui, à aucun moment naturel, il n'a connu ni sénateur Lambert, ni sénateur Edozeni, ni M. Jacques Caroli. Donc, de ce fait, c'est, d'après Sacha Sontano dit, son document qui préparé pour M. Pierre Espérance, il fait le signer sous prétexte que le gon a ligué des mouns qui a assassiné pour faire quitter le pays pour qu'il joigne asile politique. Maintenant, j'aime dire Léon. Maintenant, dans le tribunal criminel, je dis, le doyen a été écarté et question association malfaiteur là. Maintenant, il vient convertir le tribunal criminel là en tribunal correctionnel parce que dénonciation calomnieuse là, alors le ministre de renoncer d'abord, le ministre de renoncer à question association malfaiteur là. Maintenant, le doyen vient convertir le tribunal criminel là en tribunal correctionnel au nom du principe qui peut le plus, peut vouloir le moins. Maintenant, lui vient statuer sur question de dénonciation calomnieuse là. Donc, et au terme de l'article 318 code pénal là, lui vient condamner Chef Sondano à un an d'emprisonnement. Et étant donné qu'il était passé 10 ans déjà en prison,
Donc, lui, bénéficier et avantage loi l'esprit ça. Donc, lui, il y a la carrière, je dis. Et c'est tout un travail, tout un batterie d'avocats. Nous, nous sommes dans le box là. Tu as l'autre avocat dans le box là. Et... Oui, tu as M. Evans Molière, qui est avocat de Port-au-Prince, M. Javel. Tu as M. Jackson Joseph, avocat de Port-au-Prince. Tu as M. Johnny Difficile, donc qui est un pile effort aujourd'hui, qui sont mis en balai malgré l'insécurité qui est en route. Donc, ils sont mis en balai. Donc, qui vient aujourd'hui à venir plaider et pour permettre que Chelson Sano quitte le pénitentiaire national aujourd'hui et puis il a la carte. Donc, la première remercie, M. Morin, autorité de la première session, Décana, cap dirigé par M. Étienne Chavanne. Ah, on juge correct. Oui. Effectivement, la première c'est Marie-Edouard et Gabin et Antoine Tau, juge qui t'a pressé, je veux dire, qui est président du tribunal là. Nous remercions tout magistrat Jean-Olex Mérové. Et nous remercions tout le commissaire Jacques Lafontaine qui permet en quelque sorte que siège criminel ça rend possible. Et nous remercions tout et greffier avec lui. C'est malgré les conditions étaient difficiles parce que. On est déjà le dossier ça va mettre moins, c'est le dossier très très difficile. Et avocat pas presque plaidé, au même moins. Lorsque je demande un coup de main, on me dit, c'est pour un dossier de plaidé pour l'argent. Nous ne pouvons pas prendre un coup, mais on sentit que nous allons prendre un échec sans salon. Elle va dire l'argent pour le payer nous tout. Donc, son dossier de plaidé, quand même, sans l'argent. D'accord. Mais malgré prendre service, le fait qu'on ait gagné mon qui est très 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 puissant dans le pays, nous dans le dossier. Donc c'est des bails où on avait pendant ce pas la justice pour ce pas mourir, je vois ça me douleur là, ou du moins si pas gagner des bagages, etc. Ou qui arrive en tout. Tout bagage possible. Effectivement, sur la sécurité qui est fragile. Maintenant de ce fait, moi me pensais. Au monde qui te rend c'est ça possible et nous remercions et surtout même la pression qui devine couvrir quand même c'est ça et quand même bien féliciter. Merci beaucoup Maître Justel, bon travail. Merci Maître Morin et c'est beaucoup remercier et moi merci quand même au même cap pour un bon travail dans la communauté. Merci beaucoup.